Juste été annoncé, la police nationale d'Haïti reprend contrôle commissariat Gressier. Après, si monsieur te prend la police, n'ayant haut, finalement, plusieurs policiers SWAT qui étaient réfugiés. Ils ont sécurisé bâtiment, t'es obligé de joindre un couloir pour affaufiler. La police était déterminée. Ailleurs, ils ont finalement pris contrôle la commissariat encore. Plusieurs bandits à joindre baron, en pile là, ils étaient là, ils n'ont pas là encore. Souffrance là, du caï, messieurs. Objectif chef gang sa yo, c'est de prendre contrôle commissariat Gressier, battre prendre contrôle toute route nationale la net jusqu'à ce que pour capable faire échec à mission multinationale là. N'a pas rappelé semaine dernière, on te bat information côté monsieur Sao te prend le soin pour planifier plusieurs attaques contre la police dans l'idée pour capable intimider monsieur Kenya yo. Il y a bon information qui t'a fait quoi que qu'il y a plusieurs policiers kenyans qui t'a victime dans dernière attaque chef de gang yo fait sous commissariat Gressier et à Port-au-Prince. Eh bien, il y a responsable mission yo, madame Jorma a démenti information ça parce que toute police kenyan yo, yo déjà préparé pour une bataille, yo koumé, yo pral groupe dans l'idée pour empêcher chef de gang faire l'obéir dans la coupe pays d'Haïti. Si nous avons une déclaration, madame Jorma, qui est chef mission en Haïti, l'autre information qui a dominé l'actualité, chef de gang Chris là, il a bonne volonté pour reprendre contrôle et plusieurs commissariats. Mais surtout, monsieur veut prendre contrôle, commissariat que il est Omega, c'est un de Kafour. Il y a une raison qui permet que Chris là, pour qu'on prenne contrôle commissariat, son raison qui est très simple. Bon, mon t-shirt, ça, non, titre, tout coûte, m'a partagé avec vous-même. Dans le moment, n'a pas là, petit, un petit défaille, sinon, évadé prison, ça, qui tombé, qui pas levé dans le bloc, des hommes, à commune d'Amari, Nagredes. Action s'arrive, dans le moment, yon opération, la police t'a mené, dans l'idée pour déraciner, yon gang qui est base quelqu'un non à des hommes. Moi pas le vide à quatre détails. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Est-ce que Québec, est-ce que tout le monde est en forme? Ou sous maman peut me bâcher par contre là? Bon, t'as plus d'informations pour nous, Baptiste. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la société sont évidence pour me porter en pile information pour vous. Tenez bien. Dans le moment où on a parlé là, la police a repris contrôle commissariat Gressier. Mais moi, je voulais faire remonter pour nous, pour m'expliquer nous comment la police est obligée de bailler monsieur espace ça. Qui s'est passé? Pendant que le policier soit en bas, il a mis le contrôle, il a surveillé le chef de gang qui a fait l'obéir en bas. Eh bien, ça peut arriver. Donc, la police peut arriver dans une situation. Côté qu'elle n'est pas capable de digérer tête li, puisque monsieur au fond, oh, c'était plus passé 300 nègres qui étaient motivés, gros à moche langue, non, mais yo. Et quantité policier soit qui t'en a, c'est pas ton quantité qui était capable de goumer en face à ti, monsieur ça, yo. C'est une quantité qui était très réduite et matériel, non, yo. C'est pas matériel, non, yo, t'es arrêté à goumer un paquet de temps. Et mais qui ça peut arriver? Les pralions essentiels pour monsieur au fait tout ça, yo, capable pour te faufiler quoi. Eh bien, à force que n'est-ce pas demandé renfort, pour venir capable à renforcer pour capable camper goum avec monsieur renfort pas capable river eh bien monsieur t'es obligé faufiler quoi yo vivre ensemble t'es bay Gary Conny à 9000 rameaux premier soufflet ça et une soufflet yo c'est pratiquement à cause que t'es prend contrôle commissariat et même river empêcher renfort venir bagay ça qui t'es motivé monsieur en dans CSPN donc pour yo dit qui ça que capable faire eh bien selon toutes dernières informations yo si monsieur t'es fait tout ça que capable yo peut pour capable généralement donc Kembe commissariat la police nationale d'Haïti donc la date qui était à 1er juin 2024 là eh ben ont décidé font belle pirouette c'est pirouette ça qui t'a pas faciliter que UTAG SWAT UDMO donc on paquet de corps dans la police là généralement débarqué et puis écrasé à monsieur vivant Samuel plate plusieurs bandits à jeune baron en pile dans yokté là yo pas là encore grâce à bon Dieu qui dans ciel là donc majorité dans gang ça yo fait voile pour payer ses chapeaux. Entre-temps la police reprend contrôle espace ça net malgré bandit était déjà crasé plusieurs parties dans yo mais kounyan la police assure que tout espace là li sécurisé. M'a vinn avec en pile information en pile détail pour vous l'autre information capable de dominer actualité a mesdames mademoiselles et messieurs. Donc, li évident, donc, pour que nous arrangions nous, nos situations qui sont très simples. La police n'a pas décidé de chômer, malgré tout ça qui fait, malgré tout, Jean Bandit est décidé pour prendre contrôle plusieurs espaces dans le moment où on a parlé là.
Haïti pral faire face à un cyclone excessivement difficile dans jour cap vini là-haut. Gagnez Christophe Saint-Georges qui bail détail en côté. Chaque monde cap gagne chance tendez bulletin météo bulletin spécial numéro 1 pour après-midi lundi 1er juillet 2024 là vigilance jaune dans plan national gestion risque ak désastre par rapport à condition gros la mer gros la pluie gros coup de vent dans occasion passage ouragan Beryl dans mi-temps la mer Caraïbes blanc à partir de demain 2 juillet à pour arriver mercredi 3 juillet 2024 là ouragan Beryl de catégorie 4 nous localiser à 13 points de nord, longitude li c'est 63 points de ouest, soit à environ 205 km dans partie nord-ouest Grenade, vent ka accompagner li c'est 240 km/h, déplacement c'est ouest-nord-ouest 31 km/h, pression minimale li c'est 944 hectopascal. Côte n'a parlé à nous gon temps qui stable mais gen vent qui commencer à souffler dans divers côtés dans pays. Actuellement nous gagnons ouragan majeur Beryl qui très dangereux l'a déplacé dans direction sud-est Caraïbes blanc avec un vent qui menaçait la vie condition avec condition tempête là qui dangereuse selon dernière prévision trajectoire et bien gagné une série de nuages qui a détaché de système là tout autour de système là et qui capable permettre activité la pluie l'orage gros coup de vent river et la mer a menacé en pile sous région sud sud-est grand pays à partir de mardi caprivé là pour arriver mercredi au cours de la journée. En conséquence, nous gagnons UHM qui est dans le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural. Mettez le bon côté direction générale protection civile avec secrétariat permanent qui a géré risque avec désastre. Eh bien, yo émet pour lundi 1er juillet 2024 là à 6h après-midi en niveau vigilance jaune qui veut dire risque impact intensité faible à modéré face à menace gros la pluie, gros coup de vent avec risque pour te déboulonner, tomber à terre pour la mer li même petit Jean Piro pour ta gain inondation bon kocho et pour voke tout par rapport avec passage eh bien Beryl nan mitan région côtière sud pays a secrétariat permanent cap géré risque ak desas mete la bon côté unité hydrométéorologique mandé officiellement avec population haïtienne nan pour yo tande tout bulletin qui a continué diffuser nan moment ça pendant passage système nan ni après passage système nan nan région an. Par rapport à condition la mer qui dangereuse en pile qui pourrait aller arriver par rapport ensemble avec passage Beryl nan côte sud pays d'Haïti mardi soir avec mercredi au cours de la journée UHM mette le bon côté direction générale protection civile avec Semana côté yo annoncé yo interdit toute opération cabotage dans zone côtière sud mardi soir pour arriver mercredi pendant journée. Par conséquent, li formellement campé toute embarcation doit camper à partir de demain soir, n'a pas parlé de mardi, pendant tout côté qui gen rapport ensemble avec côte sud pays. Alors nous mandé avec population continuer suivre tout bulletin qui a diffusé dans source UHM. C'était Christnette Saint-Georges depuis UHM qui t'a informé. L'autre information qui domine actualité a donc gagné plusieurs policiers kenyans. Donc, selon toute dernière information qui a été expliquée qui est victime, eh bien, plusieurs personnalités dans le pays kenyan disent, soit jamais payé ça du tout. Puisque, donc, kenyan, pourquoi participer dans aucune mission qu'a fait actuellement là, donc, en Haïti. Donc, il était plutôt fait plusieurs visites, plusieurs rencontres pour empêcher, si ben, dit, tata et mandat dans le pays. Hein. Donc, c'est un peu d'analyse ou bien un peu d'information qui a dominé l'actualité dans la zone de l'autre bossa. Mes frères et sœurs et amis, il y a un bagage qui est extrêmement important pour que nous partagions à quand même. Encore une fois, donc ça qui a passé actuellement là en Haïti, donc li a poté un pile qui a sauté. Pas oublier que chef bandi est déterminé, même j'ai une mission déterminée pour aller craser ce bandi. Non, titre qui pas trop court, pas trop long. Donc pour aller un pile mission qu'a fait actuellement en bas dans le pays d'Haïti. Tenez bien, dans ça qui a ouais avec divers mouvements que chef de gang a mené, nous exactement mes frères et sœurs amis dans Carrefour. Mais avant Carrefour, on fait pirouette dans Dame Marie. Et bien, tout ça, on regarde sur l'écran là. Dans le moment où on a parlé là, monsieur était là, il parle encore. Monsieur Aljoine Baron, monsieur sont évadé de prison, monsieur tombé, il n'est pas levé yo, dans une zone qui aurait des hommes dans la commune Dame Marie, surtout dans le département Grandos. Et avec ça, il arrive pendant la police nationale tape en main dans l'idée pour déraciner yo gang qui est les bases. Quelqu'un, des hommes, d'après la police, monsieur tombé
Donc troquette là tellement terrible dans sous tête lui, eh ben monsieur parle encore. Donc m'a dit bravo avec la police. Mes frères et sœurs amis chef gang grand Chris là, ti volé. Mon quoi mes frères et sœurs amis, blanc ti volé ça, c'est battre pour écraser Omega, écraser prison Kafou, écraser Sechal ni la marine haïtienne, ni BNC 16 ans à 32 ans. Grand bagaille qui rete tout ça dans on a parlé là, c'est parce que les petits frères donc tout le monde connaît sous nos drôles. La bataille avec monsieur, eh ben c'est une raison qui fait que monsieur pas fait mal ça. Avec la police, t'as pris, fait tout ça capable pour empêcher si vous voulez ça faire mouvement ça. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.